Avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une bonne lecture et une bonne écoute de cette première cassette auto-vidéo, une cassette que vous trouverez désormais tous les deux mois chez votre fournisseur habituel. Et pour vous présenter cette première cassette avec moi, une cassette dont on va vous donner le sommaire tout à l'heure, eh bien Jackie X. Jackie X, ce serait facile de dire qu'on ne vous présente pas. Je dirais quand même que vous êtes le pilote préféré de Claude Brasseur. Et je dirais quoi ensuite? Que vous êtes plusieurs fois champion du monde d'endurance, que vous avez été deux fois vice-champion du monde en Formule 1, et qu'il y ait peu de choses que vous n'ayez pas fait en sport mécanique. Vous pouvez me contredire. Vous me faites surtout sentir le poids des années. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, et c'est vrai aussi que j'ai eu, à travers toutes ces années d'automobile, beaucoup de réussites. Mais je vous en souhaite encore beaucoup. Et en attendant, on découvre le sommaire de cette première cassette. Eh bien, au sommaire, le rallye de Monte Carlo. La preuve par 4 pour Walter Roll. C'est sa 4e victoire. Les essais de la 205 GTI, une petite bombe dont on parle beaucoup. Elle sort toutes ses griffes. Le Paris-Dakar. Eh bien, l'Afrique à 200 à l'heure et plus, avec Jackie X, son témoin privilégié, qui est là avec nous. Les Scandinaves, eh bien, on les appelle les fondus déchaînés. Oui, c'est un terme de cinéma, mais c'est aussi la neige jusqu'au cou. Ils aiment ça. Et le rallye de Suède, justement, ça glisse de plaisir. Et Michel Mouton aussi était à la noce. Le rallye de Monte Carlo, eh bien, vous savez que ça a été un tiercé des Audi Quattro, avec tout de même une très très belle performance de Jean-Luc Terrier à la 4e place. Et ce rallye de Monte-Carlo, je vous propose de le suivre à travers trois personnages que vous connaissez certainement par toutes vos gazettes. C'est d'abord, bien sûr, le vainqueur, Walter Roll. C'est ensuite Andruet, qui a été un peu malchanceux cette année, mais qui reste le pilote poète que moi j'admire beaucoup. Et puis c'est Jean-Luc Terrier, qui avait déjà failli gagner le rallye de Monte-Carlo et qui, là, est gratifié d'une très 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 honorable 4e place. Alors, je pense que vous connaissez ces trois pilotes. Bien entendu, je connais ces trois pilotes qui sont trois caractères typiques du rallye. Trois caractères différents, d'ailleurs. Et très, très différents, ô combien. Je dois avouer, en ce qui me concerne, que vous avez dit que j'avais tout fait. Je n'ai pas fait le rallye de Monte-Carlo. Je n'ai pas fait de rallye tout court. Mais ça vous manque. Ça me manque et je ne le ferai jamais parce que la vie sont des choix. Il faut choisir les terrains sur lesquels on va se battre. Je ne l'ai pas fait, mais je dois dire très sincèrement que ce que ces pilotes arrivent à faire aujourd'hui, ce sont vraiment des artistes. Je m'en sens parfaitement incapable. Et les images qu'on va voir sont absolument splendides à cet égard. Alors on regarde ces images. Pas très accueillante la place de la Concorde ce matin-là. La météo typique d'un hiver parisien sur fond de grisaille et de crachin. Presque pas de quoi mettre un pilote dehors, lesquels se consolent, tout du moins certains d'entre eux, en se rappelant le temps de l'école où les professeurs des choses de la vie tentaient de leur inculquer le fait que l'humidité en plaine signifie bien souvent la neige dès que l'on gagne en altitude. Toujours est-il que puisque rallye il y a rallye, il faut disputer. De Paris comme de Monaco, Lausanne, Sestrière, Barcelone, Londres, Badenbourg, la Germanique et Ramsdonk, la Néerlandaise, ils sont 235 équipages à se mettre à table ce dimanche 22 janvier, avec un hors-d'œuvre que beaucoup trouveront indigeste. Les centaines de kilomètres du parcours de concentration qui doivent les amener là où leur sera servi le plat de résistance, Aix-les-Bains, mais attendez, pas avant lundi midi. Quelques jours auparavant, à Isola 2000, nous avions retrouvé un champion du monde revenu par la force des choses à la condition d'élève. La leçon de conduite d'une 4 roues motrices selon Walter Roll. Le professeur avait tous ses diplômes, ce genre d'études ne se fait bien que dans les universités de Scandinavie, et comme jusqu'à preuve du contraire, la Suède se trouve bien par là-bas, Stig Blomqvist, ici en récréation, était tout indiqué pour inculquer les notions de base au grand blond studieux.
Let's start with power. In low refs. Eh bien, au niveau de la puissance, celle de la Lancia à bas régime est bien meilleure avec le compresseur volumétrique. Mais dès 5000 tours et jusqu'à 8000, c'est à nous, Audi, de disposer d'une puissance supérieure. En accélération, bien sûr, sur un circuit tel que celui-ci, sur la neige et la glace, c'est trop différent pour être comparable. L'accélération est tellement supérieure avec quatre roues motrices, on ne peut vraiment pas établir de point commun. Et finalement, pour moi, c'est un petit peu plus difficile. Une quatre roues motrices s'apparente souvent dans son comportement à une traction. Et toute mon expérience, je l'ai acquise sur des propulsions. Et pour le moment, cela me pose effectivement quelques problèmes. But on fast bends, it's mais sur des parcours rapides, cela va beaucoup mieux. Bends are really sharp, hairpins like this, then it's really a problem. But I think if I tried. Je pense qu'avec deux ou trois jours d'entraînement intensif, je pourrais franchir un grand pas. Cela étant, aujourd'hui, eh bien, je dois encore apprendre. Now, I know I have to learn quite a lot. Modeste, studieux, appliqué, mais peut-être un peu inquiet avant de se présenter à l'oral de contrôle, même quand on est surdoué. Il y avait aussi un autre surdoué, mais surdoué de l'Afrique, qui venait donc ici, lui aussi, comme à l'école, chez Carmeta, le quintuple vainqueur du safari, fidèle à la production de l'Empire du Soleil Levant, mais cette fois avec une Subaru, rencontre inopinée avec Jean-Claude Andruet. Oh, salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as cassé? T'es pas en Afrique, hein? C'est pas chaud ici, hein? Oui. Tu sais, moi, j'aimerais bien un jour aller visiter le Kenya, quand même, mais plutôt en touriste, parce que on m'a tellement dit que c'était mauvais, ces routes africaines, que... J'ai une colonne vertébrale qui ne peut pas supporter tout ça. J'ai déjà bien du mal à supporter les routes ici. Ah non, alors à ce moment-là, il ne faut pas faire le rallye. Ah oui, parce que c'est cassant. Ah oui, c'est toi, cassant et toi, tu n'as pas de problème? Tu résistes bien? J'avais un problème avec mon dos et ça fait 20 ans. Et on m'a dit de jamais faire des rallyes ou jamais être dans une voiture sur les routes mauvaises. Alors tu vois. Jamais essayé une 4 roues motrices ici? Non, j'ai jamais essayé. Je suis pas attiré par les 4 roues motrices. Pour moi, c'est l'idéal de la conception des voitures de course sur route. C'est vraiment fantastique. Je prends beaucoup de plaisir à conduire cette Lancia qui est vraiment pour moi un outil merveilleux et j'ai pas du tout envie de conduire autre chose. Moi, j'ai fait des Monte-Carlo lorsque le cloutage était plus libéral et ouais. Qu'on avait des clous triangulaires avec qu'on appelait des pyramidos ouais. Et que nous avions 400-500 clous. Alors là, à ce moment-là, c'était fantastique de conduire sur la neige, vraiment extraordinaire. Ouais. C'était un plaisir inouï et en plus, si tu veux, ça ne justifiait pas d'avoir 4 roues motrices à ce moment-là. Combien de fois tu vas reconnaître chaque spécial? Oh, en moyenne, je fais 5 fois. Spécial. 5 fois. 5 fois, spécial, ça fait... c'est déjà beaucoup. Hein. Ça fait combien d'années que tu fais le Monte Carlo? Oh, mon pauvre ami. Si je vous disais combien que je te demande. Écoutez, j'ai commencé le siècle dernier. Ça fait beaucoup. Hein. Non, c'est non, 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 je sais pas, ça fait 15 ou 16. 15 ou 16. Dis non, ouais. Maintenant qu'on a fini de bosser, on pourra peut-être se payer l'apéro. Ça. Encore ouais. Allez, ouais. Merci. Sauf si vous tapez. Sec. Oh là là! Ah, ça c'est dommage. Allez, tu vois Michel? Oui, regarde. 1, 2, 3, je te les rends tout de suite, c'est à toi. Cela! La tournée continue. Du côté du Turini, on savait que Jean-Luc Terrier et Michel Vial avaient pris pension à l'excellent restaurant des Trois Vallées. Occasion rêvée de joindre l'utile à l'agréable et bien sûr de ne pas parvenir une fois de plus à parler d'autre chose que de rallye. C'est le seul rallye où il y a vraiment ce choix de pneus qui est. Très impératif, enfin un choix qui peut dépendre du résultat du temps dans l'épreuve. C'est certain que quand les ouvreurs sont passés, ils nous indiquent où sont les plaques de glace, où s'il y a de la neige, enfin tout est bien précis. Mais après on doit décider si on met des pneus avec un certain cloutage et tout. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte ça dépend aussi énormément du pilote. Parce que moi par exemple je préfère rouler avec toujours le minimum de clous. Je préfère me faire des chaleurs quand on arrive sur les plaques disons de neige ou les plaques très glacées en slick, mais aller très vite quand c'est sec. Jean-Luc Terrier, champion du monde des non-reconnaissances, Terrier le non-conformiste, Terrier l'improvisateur, réponse. Le jour de la course, on a la forme ou on ne l'a pas.
et que l'on soit passé en Turini 15 fois ou qu'on ne soit passé qu'une fois, si le jour de la course ça doit en mancher parce que ça va bien et ça doit sourire, eh bien, ça en manchera et ça ira bien parce que les notes sont bonnes. Et puis bon, ben, ça sert à rien d'user le goudron et d'user des pneus et coûter cher aux gens qui nous font courir. Magie de la nuit, magie de la neige, magie du Monte Carlo, combien étaient-ils réunis pour juger, commenter, apprécier le premier passage de Walter Rohrl, aux prises sur la route avec une Audi Quattro peu docile, et au bord de cette même route avec un difficile jury permanent. En trois images, le résumé, Marco Allen Lancia, déjà dominé. Ne parlons pas de la Nissan de Timo Salonen, et pourtant la neige ne l'effraie pas. Et Terrier qui commence ses coups de génie en rattrapant ici dans la Chartreuse la Lancia de Andrew. Halte obligatoire en Ardèche, la remise à Entraigue, joignent père, mère et fils, et tarte aux pommes recommandée. On les sort du four pour qu'elles soient chaudes. C'est une grande joie pour moi. Et voilà. Rohrl est passé, il ne s'est pas arrêté, il ne sait pas ce qu'il a perdu. Salonen nous paraît quand même bien plus avisé que l'Allemand. Inutile de commenter l'arrêt de Jean-Luc Terrier, qui de toute façon a toujours un petit creux quelque part. On soupçonne fort d'ailleurs Michel Vial d'avoir ajouté tarte aux pommes sur son roadbook. Pour Stig Blomqvist, c'est la meilleure façon d'oublier un moment les réalités de la course en tête, et puis ça change quand même de la friture suédoise. Jusque la famille Metta qui en avait entendu parler au fin fond du Kenya. À bientôt, quand vous voulez. Mais la tarte aux pommes n'a plus guère d'importance quand une mère attend son fils. Rassurez-vous, Madame Jouani, Yves n'est pas loin. Déjà une nuit de route, à peu près partout, les mêmes conditions d'enneigement, et le petit matin du mardi nous offre toujours cette somptueuse bataille de petites secondes à laquelle se livrent Blomqvist et Rohrl, tandis que Anu Mikkola observe à distance et contre son gré. Salonen reste constant malgré lui dans une perte de temps qui jamais ne se démentira. Et Andruet doit déjà regretter l'époque bénie des clous pyramidaux qu'il évoquait tout à l'heure. Et puis souvenez-vous de la phrase de Terrier, si le jour où ça doit en mancher parce que ça va bien et que ça doit sourire, eh bien ça en manchera et ça ira bien. Et en passant, merci pour le spectacle. Tandis que, loin des vedettes, Jean-Pierre Rouget s'en va tranquillement vers la victoire en promotion. Une autre nuit est passée, les bras s'alourdissent, mais Rohrl maintient toujours cette trajectoire hyper tendue qui vient de le porter en tête. Marco Allen ne surprend personne en dominant les autres Lancia, mais se surprend peut-être lui-même en se voyant dominé par Jean-Luc Terrier, qui lui, en vieux renard de la course, n'est peut-être pas surpris de se retrouver quatrième juste derrière les Audi. Lesquels Audi commencent à dessiner leur tiercé, loin, très loin même devant le rival italien dont le nez s'allonge à l'image de Jean-Claude Andruet, qui n'a envie de rien sauf de baisser les bras. Rien de tout cela du côté de chez Carmeta qui poursuit l'apprentissage de la neige. Apprentissage, on a guère besoin. Le Suédois Grundel, chez lui, les prodiges de la glisse, c'est naturel. Image insolite mais fréquente cette année, l'embouteillage en spécial. Et en tout cas pour le docteur Chatriot, c'est l'occlusion. Les conditions vont se modifier en cette fin de parcours commun. Après la neige, le verglas et la soupe, l'asphalte va réapparaître par moments. Audi ne le souhaitait pas, Lancia en revanche l'attendait, les R5 Turbo également. Terrier nous avait d'ailleurs annoncé la couleur. Plus ce sera changeant et donc piégeux, plus à l'aise nous serons. Démonstration par l'intéressé. Bettega en profite pour se rappeler à notre bon souvenir, mais n'est-il pas trop tard de se montrer à son tour le meilleur des Lancia après une défaillance survenue à Allen. Thank you.
Cette fois, le parcours commun est derrière. On fait les comptes en principauté. Walter Orl, dont on ne soulèvera le capot que par acquis de conscience, rentre avec un capital temps de 29 secondes sur Blomqvist. Mikola accuse un retard qui représente pour nous un point d'interrogation de près de 7 minutes. Question brûlante, Stig Blomqvist, malgré le fait qu'un écart de 29 secondes ne représente rien, va-t-il recevoir la consigne de ne pas tenter d'aller chercher Orl? On ne le saura peut-être jamais, mais à notre avis, la consigne a été donnée. Et sauf incident, le Monte Carlo se trouve déjà dans la poche du Grand Blanc, tandis que le Suédois n'a plus rien à faire que de se montrer beau joueur et d'aller se refaire une santé par le biais d'une gigantesque sieste. Jeudi soir, la magie reprend, la féerie qui représentera toujours